Qui ne s'est jamais dit un jour « Ce serait tellement cool si je pouvais vivre dans le monde des Pokémon !» Et c'est vrai que vivre une aventure comme ça, ça donne envie, voyager à travers le monde avec une équipe bien badass. Ce serait génial, mais le monde des Pokémon n'est en réalité qu'un enfer. Premier point dans l'aventure, il vous faudra manger, et pour manger, il vous faudra de l'argent, beaucoup d'argent. Mais ne s'est-on jamais demandé combien un Pokédollar faisait en euros? Faisons la comparaison avec nos produits de consommation usuels. 500 Pokédollars égale une brique de lait égale 0,96 centimes d'euros. 100 Pokédollars égale une bouteille d'eau égale 0,45 centimes d'euros. Donc on peut en conclure que 1 Pokédollar est égal à 3 centimes. Mais pas besoin de pousser la comparaison jusque là, car c'est officiel, le Pokédollar est calqué sur le cours du Yen. 100 Pokédollar est donc égal à 100 Yens, soit 70 centimes d'euros. Alors là, vous allez me dire, bon, on est en 1996, à la sortie des jeux, l'euro n'existe pas encore, l'inflation, le dollar constant... Eh ben je vous laisse regarder ça dans la description parce que au final, ça colle plutôt bien. Savoir ça nous permet d'appréhender le jeu d'une façon un peu différente. Par exemple, nous commençons le jeu avec 3000 Pokédollars. Notre mère nous laisse donc partir avec 3000 yens en poche, ce qui nous fait 22 euros. Ouais, je sais. Désolé mec. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en battant Peter du Conseil des 4, après avoir risqué la vie de nos Pokémon face à des dragons surpuissants, et fait une aventure qui vous a fait traverser la moitié du continent, vous remportez la superbe somme de 46 euros! Ce qui veut dire qu'une Pokéball vaut 1,48€. À ce prix-là, autant vous dire que c'est cadeau quand même. Mais disons-le bien, le prix est quelque chose d'abstrait. En économie, on appelle ça le concept d'offre et de la demande d'Alfred Marshall. Si le lait et l'eau sont si chers, c'est peut-être qu'elles sont rares. Et les Pokéballs, en grande quantité, ayant littéralement noyé le marché, sont donc peu coûteuses. D'ailleurs, petite parenthèse, la seule usine du jeu qu'on voit est une usine à Pokéball. En plus, dans Pokémon, il n'y a pas vraiment de concurrence, il y a un seul magasin par ville qui ne propose qu'une seule marque pour chaque article, le consommateur est donc obligé d'acheter les produits au prix imposé, et c'est souvent le prix fort. Alors là, vous me direz que les magasins ne vendent que des articles Pokémon. Ben pas forcément. Les étalages sont chargés de produits, et comme dans un combini japonais, on peut y acheter d'autres produits que ceux pour Pokémon, comme des pâtes ou des tomates. Mais si l'activité marchande est aux mains d'une société, quel métier pratique-t-on dans le monde des Pokémon ? À vrai dire, dresseur de Pokémon est le seul moyen de gagner de l'argent pour le joueur, c'est le seul métier proposé, et certains s'en mettent vraiment plein les poches, plus ou moins honnêtement. Bah oui, pour moi, prendre de l'argent d'un gosse qu'on vient de casser la gueule, c'est du racket. Il n'y a ni université ni choix pour un job différent proposé à notre protagoniste, après on peut se dire que c'est par passion qu'il fait ça, mais sérieusement, les PNJ nous l'ont montré, ils ne font rien de leur journée à part se promener dans leur ville ou à la montagne. Ce qui veut dire que vous êtes littéralement un chômeur dans un monde où les gens gagnent de l'argent... en faisant des combats de chiens. Mais là on en rigole, mais c'est un vrai problème de société qui se pose. Si aujourd'hui on utilise des animaux sans leur consentement pour obtenir de la viande, du cuir, du miel, de la gélatine et un tas d'autres produits, on trouverait ça quand même un peu immoral de les blesser pour des paris sportifs. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il existe une loi dans la constitution française qui interdit les combats de nains? Avant cette loi, on faisait combattre des nains pour des sommes parfois astronomiques. Ah, c'était le bon vieux temps. Or, pour les Pokémon, il y a la question de leur intelligence qui se pose. Certains le sont autant qu'un chien, mais d'autres le sont plus que des humains. Ce qui veut dire que les capturer et les faire se combattre, c'est littéralement les réduire à l'esclavage. Si l'économie va mal, cependant, on entend assez peu parler de l'État. Alors finalement, qui tient le pouvoir dans cette société? Pas de signe de pouvoir royal, présidentiel ou administratif, aucun drapeau, pas de nation, alors qui tient les rênes? Quatre entités semblent avoir un pouvoir important dans la société. D'abord, la police. Mais bon, celle-là est assez peu présente et raquette des enfants la nuit en leur lançant des combats Pokémon avec des Kalinos level 13. Pas étonnant que ce soit un gamin de 10 ans qui mette en déroute une organisation criminelle telle que la Team Rocket. Justement, parlons-en, et si c'était les mafias qui avaient le pouvoir? La Team Rocket est la principale organisation criminelle de Kanto, elle intervient dans les domaines politiques, économiques et scientifiques. Principalement dans le vol, mais ça c'est une autre histoire. La Team Rocket, loin de se cacher, possède des locaux comme par exemple l'arène de Jadiel ou le casino, un des bâtiments les plus immenses du jeu bien à la vue de tous. On comprend donc que de nombreux citoyens sont attirés par une carrière au sein de la pègre, où le mérite, la loyauté et l'efficacité de chacun sont reconnus et récompensés. On en déduit donc que le gouvernement est de mèche avec cette organisation clairement définie comme criminelle comme au Japon avec les Yakuza. En parlant d'organisation, on en arrive à notre troisième entité, les corporations comme la Sylph ou la Devon. Nous avons déjà vu que l'économie était dirigiste, car pas de marché libre et sans entrave, un seul magasin, un seul centre, pas de concurrence. Ces entreprises ont donc la main mise sur le développement des potions, Pokéball et tout autre objet qui pourrait servir à la vie de dresseur.
Pas facile de s'en passer, les alternatives sont souvent beaucoup plus coûteuses. Et c'est finalement la quatrième entité qui va nous permettre de découvrir une réalité encore plus sombre du monde des Pokémon. Et si le pouvoir était en fait aux mains d'une junte militaire ? Les guerres ont forgé notre société dans le fer et le sang, et dans le monde des Pokémon, il faut y rajouter le pouvoir formidable et destructeur de ces monstres comme arme de guerre. Une théorie court sur le web comme quoi une guerre précéderait le jeu Rouge et Bleu, et aurait fait de notre héros un orphelin sans père. Délirant ? Pas tant que ça en fait. Prenez le Major Bob, lorsqu'on va l'affronter, il nous gueule dessus. Hé hey, gamin, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais te dire, mes Pokémon électriques m'ont sauvé la vie. Et ouais, ils ont paralysé les ennemis avec leurs éclairs. Une vraie boucherie. On peut également ajouter à ça l'histoire d'Azed qui nous évoque explicitement une guerre datant de 3000 ans avant l'histoire de X et Y, sans oublier le film Lucario et le mystère de Mew où l'on apprend que les Pokémon sont utilisés en temps de guerre. Ce n'est pas la seule guerre, et les ravages sont encore visibles dans plusieurs régions. Par exemple, comment expliquer le manque de communication entre Johto et Kanto, qui sont pourtant frontalières ? Ça justifierait également la raison pour laquelle le spécialiste Pokémon de la région nous enverrait vérifier des données de son encyclopédie à travers notre périple. Les conséquences de la guerre sont plus largement visibles. Par exemple, les organisations criminelles, Aqua, Rocket, Plasma, Magma, n'ont pas grand mal à se former et à agir, preuve d'un univers encore chaotique et mal organisé. Les dresseurs aussi ne peuvent pas posséder plus de 6 Pokémon comme s'il existait une loi tacite pour limiter les menaces individuelles. Cela expliquerait la structure sociale de cet univers. Les arènes auraient été créées comme centres d'entraînement et les centres Pokémon auraient été créés comme des hôpitaux. Après la guerre, les arènes furent offertes aux dresseurs de la région pour s'entraîner et se protéger face à la menace Pokémon. Et on en arrive à nous demander pourquoi le Conseil des 4 ? C'est l'autorité suprême de la région, ce sont les meilleurs dresseurs, ils doivent également protéger ce qui est dans leur juridiction, leur autorité est régionale. Celle des dresseurs en revanche n'est que locale. Dans la deuxième génération, Peter nous aide à défaire la Team Rocket à Akajou. Dans Sinnoh, Cynthia nous aide également. Dans Noir et Blanc, ce sont les champions d'arène qui se déplacent ainsi qu'un membre du Conseil des 4. Et si finalement le pouvoir suprême était aux mains du plus puissant dresseur Pokémon après avoir battu la Ligue ? Donc vous. Terminons enfin sur l'urbanisme et la qualité de vie des citadins. Comment sont construites les villes dans Pokémon ? On notera là la faible densité urbaine, la plupart des villes ne regroupant qu'une dizaine d'habitants dans de grandes rues désertes qui s'arrêtent au pied de maisonnettes sans jardin. Mais détrompez-vous, derrière cette façade Disneyland se cache une plus sombre réalité. N'avez-vous jamais remarqué les bâtiments à l'entrée de chaque ville ? À Safrania, un policier vous empêche même de passer. Et oui, ce qui ressemblait à de mignons offices de tourisme sont en réalité des douanes d'une ville assiégée. Et vous n'avez en général que deux ou trois petites entrées et sorties de chaque ville, le reste, ce sont des murs. Une cage où l'on ne trouve ni hôpitaux pour humains, ni cimetière pour vos proches, pas de cinéma, un seul musée par région, une bibliothèque, une école et une usine par continent. Chaque ville est spécialisée comme le seraient les villes-usines chinoises. L'urbanisme même est construit pour contrôler. Jules César disait des rues qu'il les traçait comme on ordonnait une armée, c'est-à-dire en damier. C'est le cas ici, pas de grève possible, pas de révolte armée, pas non plus d'imaginaire possible. Un véritable enfer de Bordien. Mais cela s'explique par le danger que représentent les Pokémon. Léviator, Insecator, Nidoking, autant de Pokémon qui pourraient éradiquer toute une population en un instant. Vous vivez assiégé dans un monde où la mort rôde dans chaque haute herbe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager. On se reverra bientôt, et d'ici là, je vous laisse avec une petite question. Voulez-vous toujours vivre dans le monde des Pokémon ? Je vous laisse y répondre en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine !